Salut! Je suis en train de me faire cuire de la truite sur une pierre. Je sais pas si vous pouvez voir comme fou, là. C'est un poêle à bois. Puis, c'est une même pierre dessus. J'ai enlevé les ronds. Puis, je suis en train de faire cuire la truite. Regardez ça, moi ça se défait. J'ai jamais mangé de la truite aussi bonne. Un goût fumé. Elle se mange tout seul. Hein? Cœur. Tout ça, bonne truite du lac Gaumont. Vous savez pas ce que vous manquez. On arrive à deuxième étape avec un petit Havana Club. Si on regarde sur notre pierre, il y a notre truite qui cuit encore. On a enlevé l'arête principale, il reste au filet, on a commencé à goûter. On va l'arroser un petit peu, juste un petit peu de rhum. Juste pour lui donner une petite saveur. Vous voyez comment c'est chaud la pierre. Maintenant, on va déguster. Comme vous pouvez voir, regardez comment ça s'enlève bien. Regardez comment c'est bien cuit. Écœurant. Hey, checkez-moi ça. Checkez-moi cette chair. L'arôme du rhum avant la club. Au lac Gaumont. C'est vraiment quelque chose de formidable. Succulent. Encore une fois, j'ai jamais mangé une truite aussi succulente. Okay. Vas-y. Alors là, on va déplacer nos truites qui sont bien cuites. Vous pouvez voir sur la branche de cèdre. Arrosé d'un peu de rhum. Fait qu'on va déposer ça sur notre plaque. Sur la roche, ici. On va mettre une petite planche de cèdre pour tenir ça propre. Vas-y. Parfait. Et voilà. On prend pause, parce que... On va dépecer la belle petite truite. Tu vas voir comment ça s'est cuit. Puis on va me déposer ça sur une belle assiette en cèdre. Alors, on voit bien là. Tire-en la peau dessus. Regardez ça, ce bel petit truc-là. Regardez comme ça se défait. Et voilà. Alors, hâte de goûter à ça. Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? Moi, en tout cas, je trouve que ça a de l'air vraiment bon. Bon appétit, tout le monde! La petite bête, c'est... Belle petite mouchetée. Hey, regardez les belles couleurs là-dessus. Vraiment une très belle prise. Un beau combat. Ciao! Alors, ce soir, on s'est fait une petite bouillabaisse
Sur le bleuet, truite mouchetée, truite grise, dans une soupe que nous avait déjà préparée notre hôte. C'est une soupe tomatée avec des légumes et tout. Puis on a rajouté des petites crevettes là-dedans, mais avec la truite mouchetée puis la truite grise. Puis des langoustines. Je dois vous dire qu'on est en train de se préparer un repas, un festin de roi. Puis tout ça, là, juste cuit comme ça, là, en bouillabaisse. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a décortiqué nos truites, on les a coupées en gros morceaux. André va nous en sortir un morceau, là, un gros morceau de truite, là, pour nous montrer comment c'est coupé, comment c'est cuit. Alors, regardez-moi ça, ce beau chaudron-là. Hey, c'est une chaudronnée. Ça l'a cuit, là, regardez bien ça, il va nous sortir. On voit-tu, regardez, hey, check-moi le gros morceau de truite comme ça, là. Ça va être succulent. Fait qu'encore une fois, on vous dit ciao! Alors, on voit cette belle présentation. Wow! Ça va être un délice. Hey, salut! Checkez-moi ça, le beau coucher de soleil qu'on a, là. Il est pas tard. Il est environ 6h30, 7h. On est sur le lac. J'espère des tempêtes. Ah, des tempêtes, hein? On en a pris une coupe, un petit peu de rhum, un petit peu de bière. Mais, hey, regardez le calme, cette là. Regardez ce qui nous habite. André vient d'avoir un beau bite.